aujourd'hui, la présence des lumières est vitale. Il doit toujours se maintenir dans une zone proche de la surface, à la frange de l'île. Or, l'érosion et l'enfoncement du mont volcanique sont irréversibles. Et pour survivre, les coraux poussent vers la surface, laissant sous eux un squelette de calcaire de plus en plus épais et compact. La terre, c'est ce qui reste lorsque le mont volcanique a totalement disparu. La nature prévoit plusieurs millions d'années pour façonner un atoll qui renferme le lagon peu profond, tapissé de sable calcaire, où l'eau apparaît plus claire que le sable.